Allez, salut les gars, voilà, ça toujours comme ça. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc les gars, d'abord avant de suivre la vidéo, essayez comme ça de liker la vidéo, essayez aussi de partager la vidéo, voilà. N'oubliez pas que c'est lorsque vous likez la vidéo que les autres aussi peuvent aussi voir la vidéo. Voilà, donc faites au moins ça pour moi. Si vraiment ce que je fais et je mets en ligne vous rend un grand service, voilà, c'est tout ce que moi je peux vous demander. Voilà, donc ça, c'est la bourse de l'Institut de technologie de Pékin, voilà, que nous appelons BIT. Donc, ici, comme je l'ai dit, le master peut postuler, la licence aussi peut postuler. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, vous devez juste suivre cette vidéo-là et je vais vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins postuler. N'oubliez pas, nous sommes en Chine, donc on va aller un peu plus vite. Et en même temps, on va voir aussi comment est-ce que vous devez postuler et quelles sont les filières qu'il faut pour pouvoir postuler. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on postule pour, comme ça. Si vous voulez postuler, vous allez le faire vous-même. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas vraiment à le faire, voilà, vous pouvez nous contacter inbox. Regardez en description, il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter inbox pour que je puisse vous aider. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça. D'abord, cette bourse-là, on va essayer de voir un peu. Quand je viens là, je viens sur FAQ. Ici, on va essayer de voir un peu les dates et puis aussi qu'est-ce que la bourse prend en charge et puis qui aussi peut postuler, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà, donc ici, je vais voir, je vais mettre en français pour tout le monde, pour que nous tous aussi, on soit sur le même directive, les mêmes ondes. Voilà, donc ici, je vois comment postuler au programme de premier cycle, voilà, à la bourse de technologie de Pékin, enseigné en chinois. Donc, n'oubliez pas, si c'est enseigné en chinois, ceux qui ont fait la licence vont d'abord apprendre la langue chinoise avant. Donc, je vais cliquer sur ça pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc, quand je clique dessus, ils vont vous donner la directive. Ici, je mets encore en français. Voilà. Pour ceux qui veulent suivre, voilà. Donc, je crois que pour ceux qui veulent faire la licence, conditions de candidature, ici. Des citoyens non chinois titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou supérieures possèdent des qualifications pour postuler à l'université, sont en bonne santé, sont disposés à respecter les lois, réglementations chinoises en vigueur et aux règles de recommandation de l'école et sont titulaires d'un passeport étranger valide. Ok, donc pour faire une licence, il faut être âgé de 18 à 25 ans. Et si vous avez moins de 18 ans, vous devez fournir un certificat de tuteur à Pékin, en Chine. Voilà, donc si vous avez moins de 18 ans et que vous voulez vraiment étudier, vous pouvez nous contacter. On peut vous trouver un tuteur en Chine. Voilà, pour que vous puissiez y étudier tranquillement et sans problème. Donc, se conformer aux dispositions de la lettre d'enseignement étranger. Voilà, et du ministère de l'Éducation nationale. Ok, donc c'est le lien qui est là. Ceux qui veulent aller vérifier, vous pouvez aller vérifier. Donc. Pour postuler, voici comment ça se passe. Dans un premier temps, ça c'est pour la licence. Vous faites ça aussi, c'est la licence, mais le master aussi, vous pouvez suivre ça, c'est pas un problème. Ici, postuler en ligne, les candidats doivent se connecter au service d'inscription. Tout à l'heure, je vais faire, vous allez voir. Abroad BIT, voici le service d'inscription qui est là. Vous pouvez suivre ça. Et pour s'inscrire en ligne, remplir le formulaire d'inscription et payer les frais d'inscription. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir ce signe de frais, je vous ai déjà dit que maintenant, toutes les universités admettent ça, cette technique-là de frais d'inscription, parce que c'est une politique aussi qui permet aux universités de se refermer aussi ou bien de se reconstruire. Voilà. Donc, la date limite pour ceux qui veulent postuler pour la licence, c'est le 15 juin 2024. Mais je vous conseille de postuler vite parce que les étudiants étrangers, vous avez beaucoup de choses à faire. Après l'admission. Donc, vous allez faire l'entretien complet. Ceux qui réussissent l'examen préliminaire des documents participeront à un entretien complet et les modalités précises seront informées par email.
Ok, pré-admission. Ceux qui réussissent l'examen du matériel et l'entretien approfondi seront pré-admis par l'école. Les résultats de pré-admission peuvent être vérifiés dans le système de candidature en ligne. Ok. Ici, test écrit complet. Ceux qui réussissent l'entretien de synthèse doivent passer le test écrit de synthèse et l'examen de bourse du premier cycle de notre école. Voilà, donc, une fois que vous avez, par exemple, comme ça, l'admission, voilà, une fois que vous passez les tests, c'est-à-dire ils vont vérifier vos documents, tout. Une fois que les documents sont bien faits et tout ça, ils vont vous faire passer, et que vous voulez une bourse, ils vont vous faire passer un test de bourse. Si vous êtes parmi ceux qui ont été sélectionnés pour le test de bourse, en ce moment-là, vous recevez une bourse pour l'école et vous ne payez pas grand-chose, vous ne payez rien. Voilà, et pour ça, voici les matières que vous allez suivre. Donc, matière d'examen, il y a mathématiques, programme d'examen, vous pouvez télécharger là, vous allez voir le programme d'examen. Il y a aussi physique, chinois, anglais, sciences et ingénierie, mathématiques, programme d'examen, vous pouvez cliquer là pour voir le programme d'examen. Voilà, nous, si on veut faire tout ça, on va prendre assez de temps, donc on va essayer d'aller un peu aussi plus vite. La langue d'examen est cohérente avec la langue d'enseignement choisie. Ceux qui satisfont aux conditions d'exemption, cliquez le téléchargement, peuvent être exemptés. Voilà. Veuillez consulter la liste d'examen. Ok. 5. Admission. Une fois que l'étudiant a payé la caution, l'école examinera le matériel du candidat et admettra officiellement ceux qui disposent du matériel qualifié et complet. Ok. Donc ici, comme je le disais, pour pouvoir postuler, il y a le passeport. Voilà. Si vous avez déjà eu un visa chinois, non. Il y a le relevé de notes de secondaire, version notariée, en chinois ou bien en anglais. Voilà, donc vous devez traduire vos documents en anglais. Et certificat de fin du secondaire, notarié, notarisation requise. Voilà, certificat complet en chinois ou en anglais. Enseignement du chinois, niveau H supérieur à ça. Enseignement en anglais, ok. Au certificat compétence linguistique équivalent reconnu par notre école. Les anglophones natifs n'ont pas besoin de fournir une maîtrise en anglais. Ok, ici, déclaration personnelle. Ça aussi, vous allez remplir. Parce que, comme je l'ai dit, ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez nous contacter. On va essayer de vous organiser. On va essayer de postuler pour vous, pour que vous puissiez au moins être dans les normes. Voilà, donc, vous devez faire tout ce qui est là. Formulaire de demande de bourse. Voilà, voici le formulaire de demande de bourse qui est là. C'est ce qui nous intéresse. Mais ici, vous allez demander la bourse ici. Je vais télécharger comme ça pour que vous puissiez voir un peu le formulaire. Je vais ouvrir le formulaire de bourse ici. Donc, ça, c'est le formulaire de bourse. Vous voyez, c'est pourquoi je dis toujours, en ce qui concerne les bourses chinoises, c'est assez un peu complexe parce qu'il y a assez d'éléments à pouvoir remplir et puis. Ce n'est pas à chaque instant que les éléments sont en français, c'est toujours en anglais. Donc, c'est pourquoi, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire inbox. On va essayer comme ça de vous postuler sans problème. Ok, donc, période d'études plutôt, premier cycle, c'est 4 ans. Voilà. Ici, les 4 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une année d'études en langue chinoise. Frais d'inscription 600 yuan. Frais de scolarité de l'enseignement du chinois d'abord. Voilà. Et, ou bien frais de scolarité de l'enseignement de l'anglais pour ceux qui vont choisir l'anglais. Voilà. Prime d'assurance, hébergement, campus, tout. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de bourse. Voilà. Ceux qui n'ont pas de bourse, voici. Et catégorie de bourse ici. Programme du gouvernement chinois, enseigner en chinois uniquement. Postuler pour la bourse du gouvernement chinois auprès de l'ambassade ou du consulat général en Chine dans le pays du candidat. L'ambassade et les consulats acceptent généralement les candidatures de novembre de chaque année à avril. Donc, ceux qui veulent postuler via les ambassades, voilà, vous pouvez déjà postuler avec ça. C'est-à-dire, ça commence de novembre, voilà, jusqu'en avril dans les ambassades. Voilà, donc si vous voulez passer par les ambassades, vous pouvez le faire aussi, c'est possible. Ok, donc nous on va aller rapidement pour ne pas vraiment perdre de temps. Donc, ça c'est pour la licence. Ça c'est pour ceux qui veulent la licence.
Et nous, on va aller un peu maintenant. Ceux qui font le master aussi, voilà, vous pouvez aussi voir quels sont les programmes et tout ça. Donc, ici, je vais venir voir directement le programme ici, premier cycle. Ici, donc, premier cycle, voici un peu les filières qui sont là. Voilà, il y a toutes ces filières là. Si moi je fais l'informatique. Je viens de Computer Science ici. Donc je clique ici Computer Science et Technologie. Là. Voilà. Et ça me renvoie ici. Et lorsque j'arrive ici, vous voyez là, il y a la procédure. C'est-à-dire, on s'inscrit en ligne ici. Après ça, on remplit le formulaire. Après ça, on attend la réponse de l'université. Après ça, l'université va nous dire de payer les frais d'admission. Voilà. Et après, on attend. Après les frais d'admission, on attend les frais. On attend l'admission de l'université pour pouvoir avoir notre lettre d'admission et essayer de faire ce qu'on doit faire pour la suite. Voilà, donc pour pouvoir postuler, voici comment s'inscrire. Vous pouvez cliquer là. Mais avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller directement ici. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer la bourse. J'aimerais aussi vous montrer qui peut postuler à la bourse. Donc, je vais comme ça revenir ici. Et on va voir directement pour postuler la bourse avant de postuler comme ça pour avoir une admission. Donc je vais traduire rapidement. Voilà. Attends un peu. Ok. Ici on dit on a postulé au programme ici. Postulé aussi au programme. Ici, comment postuler au programme 2024 assez en anglais. Postuler au programme d'études. Ici, préliminaire. Comment postuler à la langue chinoise, voilà. Bourse, voici. Bourse du gouvernement chinois, programme universitaire chinois. Donc c'est ici qu'on clique, voilà. Et quand on clique là, on va voir un peu qui peut postuler à la bourse et ou pas. Et à ce moment-là, vous allez aussi décider vous-même si vous voulez aller y étudier ou pas, ou bien vous voulez postuler ou pas. Vous pouvez aussi regarder là, le gouvernement. La bourse du gouvernement chinois, programme universitaire chinois type B, est une bourse complète créée par le ministère de l'Éducation pour aider les universités chinoises à attirer des étudiants internationaux, exceptionnels pour des études supérieures en Chine. Donc, BIT est l'une des universités prestigieuses désignées pour entreprendre ce programme visant à recruter des étudiants du troisième cycle pour la maîtrise et le doctorat. Donc, vous voyez ici, ceux qui veulent postuler déjà en master. Vous pouvez déjà suivre ce principe-là. Donc, que couvre la bourse? La bourse prend en charge les frais de scolarité. La bourse universitaire gratuite ou subvention de logement. Voilà. Ça prend en charge les frais de scolarité. Le logement aussi est pris en charge. Et l'étudiant reçoit l'allocation mensuelle de 3 000 yuan par mois. Voilà. Les doctorants, c'est 3 500. Voilà. Et l'assurance maladie complète. Donc, tout ça. Ça prend tout en charge, vous voyez. Et si vous avez bien remarqué, ce qui manque ici, c'est le transport. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire pour arriver là-bas? Ça n'engage que vous. Et qui peut postuler? Vous devez être un citoyen d'un autre pays que la République populaire de Chine et être en bonne santé. Être titulaire sur le plan académique d'un baccalauréat et ou de son équivalent. Âgé de moins de 35 ans lorsqu'il postule à un programme de maîtrise. Ok, être titulaire d'une maîtrise ou son équivalent, âgé de 40 ans. Donc, pour postuler pour un doctorat, il faut être âgé de moins de 40 ans, donc maximum 40 ans. Et ici, pour postuler pour le master, il faut être âgé de plus de moins de 35 ans, donc maximum 35 ans, 34 ans. Ok, satisfait aux conditions du programme. Ok, et programme de candidature, période de candidature, on a quoi? Du 15 octobre au 15 février 2024 pour le candidat boursier, premier tour recommandé. Voilà, et du 16 février 2024 au 15 avril pour le candidat boursier, deuxième tour. Ok, donc procédure de candidature, étape 1, inscrivez-vous d'abord sur Campus Chine et choisissez le programme de type B. N'oubliez pas, c'est très important parce qu'il y a plusieurs types là-bas. C'est le type B que vous devez choisir. Le numéro de l'agent BIT, c'est quoi? C'est 1000,
2007. N'oubliez pas aussi, c'est très important. Donc, vous devez noter cela. Étape 2, inscrivez-vous sur l'espace qui est là. Donc, dans un premier temps, vous devez vous inscrire sur Campus Chine. Après ça, vous prenez cela, vous venez vous inscrire ici. Voilà, et ça sera tout pour la bourse. Voilà, donc, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord s'inscrire sur Campus Chine. Voilà, et pour s'inscrire, on va venir rapidement ici pour choisir une filière. Ici, par exemple, si je prends premier cycle ou bien troisième cycle, je vais prendre d'abord ici, premier cycle là. C'est un exemple que je donne. Si je viens là, je vais prendre par exemple comme ça, informatique, ici. Je clique sur informatique, ça me renvoie ici. Et là, je clique sur Apply Online, qui est ici. Voilà. Et je vais me retrouver sur une plateforme où je peux postuler sur Campus France. Voilà, et Campus, pas France, mais Campus Chine. Donc, j'arrive là. Je commence à m'enregistrer d'abord en cliquant sur Register ici. Voilà. Et de là, j'accepte. Et ça me renvoie ici. Donc, dans un premier temps, je dois d'abord m'inscrire. Je m'enregistre d'abord avant de faire quoi? Avant de commencer à mettre mes dossiers et tout ce qu'ils vont me demander. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait et puis comment est-ce qu'on s'enregistre pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc les gars, c'était moi, je suis Hospital. Surtout prenez soin de vous. Partagez la vidéo et on est à plus.